Révérend Père, chers internautes, chers membres de la direction de l'École Immaculée Conception, chers professeurs, chers parents, chers invités, chers camarades, bonjour. En ce 17e dimanche du temps ordinaire qui coïncide avec la cérémonie de graduation de la promotion Dunamis de l'École Immaculée Conception, nous sommes réunis autour de la table du Seigneur pour rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses multiples bienfaits. Dans l'évangile du jour, Jésus, tout en nous apprenant à prier, nous révèle aussi le nom de Dieu. Père, la prière a joué un rôle essentiel dans la vie de Jésus. C'est un instant d'intimité, un tête-à-tête avec le Dieu le Père. Le Notre Père engage chacun à se reconnaître enfant de Dieu. Plus encore, cette prière fait de nous des frères solidaires les uns les autres. Au cours de cette célébration eucharistique, remercions Dieu pour ses bienfaits et demandons-lui de ne pas réaliser ce que nous voulons, mais d'accomplir sa volonté dans notre vie. Bonne célébration. Merci, ma sœur. De même. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Et ce matin, nous sommes en liesse pour célébrer la graduation de nos chères filles de l'École Immaculée Conception, qui viennent de terminer leurs études classiques. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans la vie de chacune d'elles. Que le Dieu de patience et de miséricorde vienne en aide aux finissants et pardonne à nous tous qui sommes ici présents nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Chantons maintenant le Kyrie. Kyrie.
D'action de grâce pour la promotion du NAMIS. Messe d'action de grâce aussi pour Ashley Regina Larèche. Tu nous protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint.
Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Dieu est un Père juste, compatissant, miséricordieux. Voilà pourquoi nous pouvons lui adresser nos demandes en toute confiance et aussi avec insistance, comme Abraham l'avait fait à Sodome. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, du verset 20 à 32. Avec le psaume 137, rendons grâce à Dieu. Le Notre Père rassemble les enfants de Dieu se reconnaissant sauvés par Jésus. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, du verset 12 à 14. Écoutons avec attention. Lecture du livre de la Genèse. Les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille! Faire mourir le juste avec le pécheur. Traiter le juste de la même manière que le pécheur, quelle horreur! Celui qui juge toute la terre, va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai toute la ville. » Abraham reprit, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il répondit, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 45, Abraham insista, « Peut-être en trouvera-t-on seulement 40. » Le Seigneur répondit, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être il n'y aura-t-il seulement 30? » Il répondit, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur? Peut-être en trouvera-t-on seulement 20? » Il répondit, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10? » Et le Seigneur répondit, « Pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Tu écoutes, Seigneur. Quand je crie vers toi.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu lèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'en bat sur mes ennemis en colère. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Tu écoutes, Seigneur. Le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscité, parce que vous avez cru en la force qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix avec le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prière de vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé,
un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains. » Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée. » Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous asseoir, s'il vous plaît. Je salue le parrain de la promotion Dynamis, qui est le père Franzi Petit Homme. Je salue également les finissants et vous tous qui êtes ici présents. Alors, cette graduation me fait rappeler quand j'étais jeune prêtre au Cap-Haïtien et j'ai été directeur de 5 écoles et administrateur des écoles de la zone du Limbé et j'ai été également professeur de philosophie chez les sœurs, notamment chez les sœurs salésiennes. Et chaque année, il y avait toujours des graduations. Et si je ne m'abuse pas, chaque année, j'ai célébré environ 6 graduations. Et depuis que j'ai quitté au Cap, c'est pour la première fois que je célèbre une graduation pour la classe terminale. J'ai bien dit, pour la classe terminale. Mais normalement, pour les finissants, il y a toujours une devise. Il y a un nom et il y a une devise. Je crois pour la promotion Dynamis, vous avez choisi une devise. Laquelle c'est? Je n'entends pas trop bien. C'est aller plus haut, viser plus loin. Mais il y a un dicton aussi qui dit: seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin.
C'est-à-dire, si vous visez en fait là-haut, et si vous voulez aller plus haut ou encore plus loin, ce ne sera pas seul, mais ce sera avec les autres. C'est toujours en communion. Et le nom Dunamis, dont vous avez choisi, Dunamis, c'est un nom grec, et qui signifie pouvoir et puissance. Dunamis, c'est du grec. Pouvoir et puissance. Alors ce pouvoir, on peut avoir ce pouvoir soit par acquise ou encore soit inné. Mais je dois vous dire aussi, vous n'avez pas seulement un pouvoir, mais chacune de vous, c'est un pouvoir. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est un pouvoir. Et Dieu qui nous appelle, il est le plus grand pouvoir. Et quand il nous appelle à l'existence, nous devenions également, chacun et chacune de nous ici présents, un pouvoir à l'instar de celui qui nous a créés. Maintenant, puisque vous qui êtes ici présents, chacune de vous a un pouvoir et chacune de vous, c'est un pouvoir. Cela étant dit clairement que vous avez déjà l'esprit de votre Père, c'est-à-dire l'esprit de votre Dieu qui agit en vous. Quand Dieu nous donne ce qu'on appelle les sept dons de l'esprit, ce sont les dons de connaissance, esprit, sagesse, intelligence, conseil, force, science, prière, crainte de Dieu, ce sont des dons d'intelligence. Et quand on parle de connaissance, vous venez de faire la philo. La connaissance, c'est la relation qui existe entre un sujet et un objet. Par exemple, je vois que ce banc n'est pas moi, et moi, je ne suis pas le banc. Mais cependant, il y a une relation qui existe entre le banc et moi, ou encore entre moi et le banc. Et cette relation qui existe entre moi et le banc, cette relation s'appelle connaissance. Voilà pourquoi la connaissance, c'est un concept. On ne peut pas toucher la connaissance. Ouais, c'est-à-dire, la connaissance en elle-même, c'est intrinsèque. C'est à l'intérieur de chacun et chacune de nous. Maintenant, vous savez très bien, quand il y a connaissance, il y a aussi la présence de l'homme. Quand il y a connaissance, il y a aussi la présence de l'autre. Si on veut parler de la connaissance, il faut qu'il y ait le moi, mais il faut qu'il y ait aussi l'autre. Par exemple, la relation qui existe entre cette demoiselle et moi, il y a une connaissance, et à ce stade-ci, je considère cette demoiselle comme un objet, et l'inverse est aussi vrai, elle pourra bien me considérer comme un objet. Tout cela, c'est juste pour vous dire que au cœur même de l'Église, ou encore au cœur même de la spiritualité, il y a cette connaissance. Il y a une relation entre nous et notre Dieu, celui qui nous a créés. Et cette relation doit être tissée par la meilleure connaissance qui puisse exister. Et cette meilleure connaissance, c'est la prière. C'est ce que Jésus, lui, il a voulu nous dire dans l'évangile de ce matin. Quand les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier. » Les disciples savaient très bien qu'il y a une relation, ou encore il devrait y avoir une relation entre le Père et les autres. Maintenant, Jésus, lui, il a dit, « C'est vrai, il y a une relation entre nous et notre Créateur. » Et cette relation, c'est la vraie connaissance, c'est la prière.
C'est la prière. Ouais, la prière, c'est un dialogue entre les hommes et Dieu. La prière, c'est une communication. Et la plus bonne définition, ou encore la plus grande définition de la prière, se trouve en 1 Samuel, chapitre 15, verset 1er. La prière, c'est un épanchement de cœur vers Dieu. Quand nous prions notre Dieu, nous devons épancher notre cœur. Quand nous prions vers Dieu, nous devons dire tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà ce que c'est la prière. Mais Jésus a donné le Notre Père aux disciples. Mais pour votre connaissance, comme nous parlons de connaissance, dans l'évangile de Saint-Luc, il y a une formule pour le Pater ou encore le Notre Père. Mais c'est la formule la plus courte. Mais dans l'évangile de Saint-Matthieu, il y a une autre formule pour le Pater ou encore pour le Notre Père. C'est la formule la plus longue et c'est la formule ecclésiale, la formule adoptée par l'Église. Par exemple, nous allons réciter le Notre Père au cœur de la prière eucharistique. Vous verrez que le Notre Père que nous allons en fait répéter au cœur de cette messe ne sera pas égal à ce que nous venons d'écouter dans l'évangile de Saint-Luc. C'est-à-dire, l'Église a adopté le pater de l'évangile de Saint-Matthieu qui est plus long. Le pater est plus long et le pater est plus ecclésial. Donc, est-ce qu'il y a un monde capable d'exister si le monde ça lui-même n'est pas fait avec bon Dieu? La prière, c'est l'oxygène qui fait respirer l'âme du chrétien ou encore l'âme chrétienne. Si un monde a vivre, il est chrétien et que lit pas la prière, c'est un monde qui est censé asphyxier. Sans la prière, nous sommes asphyxiés. Sans la prière, il n'y a pas ce qu'on appelle l'oxygène dans l'âme du chrétien, dans l'âme chrétienne. Si j'étais médecin, je pourrais dire sans la prière, il n'y a pas ce qu'on appelle l'âme dans le sang de l'individu. C'est-à-dire, c'est à cause de l'âme que l'oxygène parcourt le sang. Mais comme je ne le suis pas, moi, j'avais dit non, la prière, c'est lui-même qui permet de nous respirer. La prière, lui permet de nous vivre avec bon Dieu. La prière, lui permet de nous attacher à bon Dieu. C'est vrai que jeudi, on a fini classe nous. Et puis, en Haïti, nous disons fort souvent, après la philo, nous sommes des philosophes. Nous sommes des philosophes. Après la philo, bon, moi, je suis philosophe. Pas de problème. Mais écoutez, après la philo, on est devenu, pas philosophe, mais finissant. Finissant, et vous allez expérimenter la vie. Moi, je voulais dire ça pour nous bien comprendre. Après philo, la vie commençait pour nous. Nous entendez, mesdames, après philo, la vie commençait. Pas penser toute bagaille pour aller rose. Après philo, en pile dans nous qui là, nous devons faire une expérience université. Mais nous connaissons Haïti, pays en nous, en Guigelier. Son petit pays qui met un pile stress. Son petit pays qui crase un pile projet. Son petit pays, côté, même si ou t'as aspiré pour dire mais qui sont t'as envié, son petit pays envie mourir en dans moun. Son petit pays, pour nous, tout projet que nous avons, admettons que, mais crions un petit bagay dans ça qui est bien simple. Moi, disons ça que, entrer dans une faculté, l'État en Haïti, nous finissons faire philo, n'a pas loué ça, entrer dans une faculté, l'État en Haïti, ah, c'est pas facile, non? C'est pas facile. Payer une faculté privée tout en Haïti, ah, c'est pas facile, Biret. Et nous pourrons faire expérience ça, nous pourrons le faire. Il y a un pile dans nous qui pourrons mourir avec envie en dans nous.
d'où l'importance de la connaissance. Et parfois, nous pouvons le sentir nous stresser, nous frustrer, en plus là, nous pouvons arriver dans le moment ça, et ça qui arrive tout, mon qui a une chance pour entrer en dans une université, nous pouvons rendre compte, nous entrer pour 3 ans, nous faisons 6 ans. Ou bien nous entrer pour 7 ans, nous faisons 18 ans. C'est tellement pays à pas marcher. Et nous sommes capables de voir ça encore. Nous prenons le fini université, nous sommes capables de trouver travail. Son petit pays qui stresse mon ami, lui dit mon. C'est ça qui fait demander pour nous l'ouvrir genou. Il ouvre genou sous état pays nous. Et l'ouvrir genou sous problème interne nous. Parce que pays ça frustre en pile monde. Et nous sommes capables de saisir pour nous de ça. Moun nous pas ta croire. Pays a frustré, pays a constipé, pays a stressé. Gade moun kap mache nou avec combien pli nan visage yo, c'est pas parce que moun nan gen mauvais jan non. Li extériorise sa kan dan, amertume li, stress li, frustration li. Et c'est nan ça n'ap entré là. Léon moun nan université, maman ak papa généralement, moi pas dit toujours, pap gade nous même gens nous dans l'école classique. Yo pap gade nous même gens. C'est pas même support que la pied. Les nous dans université, d'ailleurs, nous pral pote non étudiants à l'université, c'est-à-dire c'est moun qui grand moun. Mais l'un de dans l'école classique nous te pote non élève. Donc il était stade élève là. En pile nan nou, m'a dit tout nan nou, même ta souhaité c'est tout nan nou, nou pral faire expérience étudiant. Oh, expérience étudiant, c'est pas facile, non? C'est en pile sacrifice. Si vous t'a fait sacrifice là avec yon regard, nous t'a dit vers l'horizon, et puis ou t'a capable imaginer qui ça capable arriver, oh non. Il y a un bel poète qui est un haïtien, Moun Jérémy. Peut-être que je dis à m'entendre le ministre, je ne sais pas qui est ce qui est. Mais nous louons pour ça, lui-même, il écrit, qui est Émilie Prophète. Il écrit un bel livre qui est Le bout de l'horizon n'est qu'une fenêtre. Mais c'est pas ça que le tadoué, c'est ça le tadoué. Pour nous tous nous fixer genou même côté pour nous capables de trouver une issue favorable. Mais est-ce que pays noir lui permet nous ça? Si c'est mieux, nous fini et c'est pour nous fêter. Moi, je veux que je dis pour nous pas penser à tout stress qui gagne dans le pays, à tout stress la vie, à tout stress famille, à tout stress personnel. Mais fixez genou sur bon Dieu. Et puis cherchez moyen épuiser connaissance que bon Dieu lui-même libère nous de manière personnelle. Parce que c'est connaissance ça qui fait nous sembler avec bon Dieu. Fini, m'a fini avec même question que disciples ont posé Jésus. Et moi, t'as remis pour même question ça, nous poser Jésus chaque jour, à chaque fois que nous voulons rencontrer le Maître. Apprends-nous à prier. Maître, apprends-nous à vivre. Maître, apprends-nous à aimer. Maître, apprends-nous à cultiver le sens de l'amour. C'est ça, moi, invitez-nous aujourd'hui pour nous capables de demander Jésus à travers la célébration ça, de graduation. Maître, apprends-nous à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, priez de vous lever comme un seul homme. Nous allons proclamer notre foi.
en ce Dieu qui est un et trine. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et soeurs bien-aimés, je vous avais dit au cours de la petite prédication que la prière, c'est un épanchement de cœur. Voilà pourquoi nous allons épancher notre cœur vers Dieu et avant chaque intention, chantons ensemble. Que ton règne vienne. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils contribuent à l'extension du règne de Dieu et la reconnaissance de la souveraineté de son nom sur la terre comme au ciel. Avec foi, prions le Seigneur. Jour de joie. Apprenons à prier pour les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre cher Haïti, afin qu'ils mettent tout en œuvre pour offrir à leur peuple des conditions de vie plus humaines. Avec foi, prions le Seigneur. Jour de joie. Donne-nous le pain de chaque jour, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se nourrir, pour ceux qui souffrent, les malades, spécialement les victimes des actes banditisme en Haïti, les exclus, les abandonnés, afin que dans la foi, ils acceptent leurs souffrances comme une part de la croix de Jésus. Avec foi, prions le Seigneur. Pour ces jeunes qui ont terminé le cycle du secondaire, demandons à l'Esprit-Saint de les guider dans le choix de leur profession, pour leur plein épanouissement comme citoyennes et témoins du Christ. Avec foi, prions le Seigneur. Jour de joie. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir. Ensemble avant d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que nous avons vu,
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la promotion d'une amis, également sur son parrain, Père Franzi, petit homme, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus-Christ, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père, au Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maître, apprenons à prier. Et Jésus a répondu de manière que voici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de cette fête ou encore dans la joie de cette graduation, partagez-vous un geste de paix. Thank you.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour une communion spirituelle ensemble. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Thank you.
je chantais la gloire du Seigneur. Pour les rivières et pour les fleurs et pour le vent et les embruns, je chantais allé, alléluia. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Très cher Père Hugues Baptiste, président de cette célébration, très chères sœurs, chers professeurs, très chers finissants, je saisis tout simplement l'occasion d'abord pour vous remercier d'avoir pensé à moi pour vous accompagner à la fin de vos études secondaires
C'est un immense privilège. D'ailleurs, je dis toujours non à toutes ces invitations. Mais je ne sais pas si c'est parce que l'école porte le nom de Immaculée Conception que cela m'a poussé presque automatiquement à dire oui. Parce que non seulement je suis fils de la Vierge Immaculée, je vis comme fils de la Vierge Immaculée et je prends le nom de Père Franzi, petit homme, petite maman Marie. Toutes ces choses se conjuguent pour que je sois avec vous, pour vous accompagner. Non pas un accompagnement d'après moi qui commence et s'arrête avec une cérémonie, non loin de là. Et je compte me faire disponible autant que faire se peut pour vous accompagner, vous aider à grandir, vous aider à progresser. Comme le Père Hugues l'a si bien dit, vous êtes maintenant au carrefour, vous allez comprendre le vrai sens de la vie. Vous allez sans doute passer d'élève à étudiant et les responsabilités vont pratiquement se transformer. Donc, je voulais vous remercier, vous féliciter et dire merci d'abord à Père Hugues Baptiste qui a accepté de présider pour moi cette célébration parce que j'ai voulu surtout m'asseoir et prier avec vous, non pas célébrer pour vous. Dieu merci, ça a été fait. Je remercie particulièrement M. Désir Charles. M. Désir Charles est le responsable des projets de famille Petite Maman Marie. Donc automatiquement, qu'il n'a pas peur de se lancer pour quelque chose, je le suis. Donc je voulais le remercier d'avoir pris du temps pour vous rencontrer, pour planifier avec vous, d'avoir planifié au niveau de Le Plaza tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir une journée agréable. Je remercie également Ananise, celle qui est à ma droite avec encore sous caméra parce qu'elle a pu réaliser avec vous une émission Palim de Ou. Et j'ai pu regarder un extrait avant la messe et vous pouvez continuer à suivre cette interview à partir de notre télévision ici, Petite Maman Marie TV, lorsque vous allez sur YouTube. Je le remercie. Et je vous ai fait accompagner par deux de nos magnifiques voix. Vous avez eu avec vous Biv-Lise et Lovely. Ce sont des jeunes professionnels en chant. Et elles étaient accompagnées de Maestro Nignon pour que vous puissiez vivre, je pense, le moment le plus important de cette journée, la célébration eucharistique. Je le dis, le moment le plus important, et je le redis, parce que, voyez, en Haïti, vu les circonstances, il faut surtout se centrer sur Dieu et sur la prière. Père Hugues l'a dit très clairement, faire carrière en Haïti est compliqué. On ne sait pas pour combien d'années on sera universitaire. Est-ce qu'on aura assez de moyens économiques pour entrer dans une université privée? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra réussir les examens des facultés de l'État? Là encore, tout est compliqué. C'est comme une aventure qui commence. Et je vous invite, je vous exhorte à tout essayer avec Dieu. Croyez-moi, sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous étiez dans une école congréganiste, ne pensez pas qu'avec la philo, c'est terminé avec ses affaires de messe, ses affaires de prière, on est en vacances, la vie commence. Non, c'est maintenant qu'il faut apprendre à se prendre très au sérieux. Parce que vous allez comprendre la vie, vous allez rencontrer des difficultés, vous serez face à vous-même, vous allez faire des expériences que vous n'aimeriez jamais faire dans votre vie. Et tout cela fait partie de l'existence humaine. Et c'est pourquoi le Père Hugues et moi, nous serons toujours disponibles, non seulement pour prier pour vous, mais pour vous accompagner, afin que les premiers pas dans la vie et dans le monde universitaire soient plus ou moins sûrs pour vous. J'ose encore vous dire, après tout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de rester soi-même.
d'être très sérieux dans les moindres détails, de vivre avec beaucoup de respect. Ne laissez jamais personne vous utiliser parce que la personne veut tout simplement profiter de quelque chose de vous. La vie est compliquée. Prenez votre temps, réfléchissez, priez avant chaque décision. Ne prenez pas la vie comme une aventure. On est jeune, on se lance, on a du temps. Non, vous n'avez pas de temps. Chaque seconde perdue reste perdue. Et c'est pourquoi il faut profiter de chaque moment de la vie dans le sens positif. La journée va se poursuivre peut-être avec une partie de la cérémonie à Le Plaza suivie d'un dîner. J'ai vu que Désir Chal a pris toutes les dispositions pour que tout soit fait de classe. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une journée agréable d'abord, une très belle rentrée dans la vie universitaire et surtout beaucoup de prudence dans la prière. Sachez que Père Franzi, petit homme, votre accompagnateur, vous sera toujours disponible. Vous connaissez mes bureaux ici, à la Fleur du Chêne ou à Bourdon. Même si des fois, je n'ai pas assez de temps, Désir Charles sera toujours là pour être l'intermédiaire entre vous et moi. Et puis, on avance. Bonne chance, bonne fête et encore toutes mes félicitations. Révérend Père Hulde, nous vous remercions pour la mission que vous menez chaque jour aux côtés de vos frères et sœurs sur le chemin du Christ. Nous marchons à votre suite dans les pas du Père et de la Vierge Marie. Ce sont des missionnaires comme vous qui rebâtissez ce qui est souvent détruit dans ce monde et nous apportez la vraie joie et la paix de Jésus-Christ. Nous vous promettons que chaque jour, chaque nuit, nous allons demander à Jésus-Christ de nous apprendre à prier comme l'a tantôt fait les disciples. Encore une fois, merci à vous, chers prêtres. S'il y a un dernier mot, je voulais dire à l'instar de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, on l'appelle le bœuf parce qu'il a beaucoup mangé, mais il a également beaucoup prié. C'est pour cela, Saint Thomas d'Aquin, quand il donne des conseils, il dit toujours à ses étudiants, il faut prier constamment et instamment. Il faut prier sans se lasser. Mais également, pour bien étudier, il faut bien manger. Donc, je vous dis, si vous trouvez à manger, mangez constamment et instamment parce que l'esprit a besoin de la bonne nourriture. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête, bon dimanche et déjà bonne semaine. Merci mon Père, à vous de même. Qu'il soit en fête. Qu'il soit en fête, qu'il soit en fête, qu'il soit en fête.
fête, qu'il soit en fête. Qu'il